président du parti, camarade Danon Diégué, vice-président du parti, président du congrès constitutif du nouveau parti, camarade Yabdi Doya, vice-président du parti, camarade Didi Seri, camarade et honorable Émile Guillaume, vice-président du parti, camarade Tosso Charles Roudel, SGA, camarade Daïn Estor, SGA du parti, camarade Maurice Lourignon, camarade honorable Yuté, camarade membre de la direction, camarade membre du comité central, camarade fédéraux, camarade responsable de section, camarade président des coordinations, militants, militantes, chers camarades, parents, amis, connaissances de nos camarades qui viennent d'arriver, camarades exilés, je voudrais vous saluer en ce moment, en ce jour béni. En ce jour béni où nous ne pouvons prendre la parole sans rendre gloire à Dieu. Nous bénissons en ce jour le nom de Dieu pour la vie de nos camarades qui sont rentrés sains et saufs d'un moment d'épreuve qui a duré 10 ans. Oui, c'est avec beaucoup d'émotion que nous les accueillons. Et nous sommes tellement émus de les voir en si bonne santé, rayonnant, resplendissant, que nous ne pouvons que nous réjouir. Nous réjouir et nous applaudissons, nous nous réjouissons, nous applaudissons, nous nous réjouissons. Merci beaucoup. Ils sont arrivés et je pense qu'ils sont revenus pour prendre toute leur place dans la lutte. Ils sont revenus pour prendre toute leur place au sein de leurs familles respectives. Ils sont venus pour prendre toute leur place dans leur société. Nous voulons les accueillir en ce jour et leur dire bonne arrivée. Bonne arrivée chez vous. En tout cas, tout à l'heure, le vice-président va prendre la parole pour vous donner le mot du parti. Pour ma part, j'étais chargé par le secrétaire général de coordonner votre arrivée et je pense que, à part les quelques frayeurs de quelques minutes qui ont eu lieu à l'aéroport, les frayeurs aussi, frayeurs qui nous ont mobilisés et on a failli organiser une riposte et je pense que tout le monde a compris qu'il n'était pas bien arrêté non plus. Et donc, à part ces frayeurs-là, nous sommes contents de voir nos amis en très bonne santé. En tout cas, merci beaucoup. Bon séjour chez vous. Vous êtes revenus pour ne plus ressortir. Vous êtes revenus pour ne plus ressortir. Merci beaucoup. Et que Dieu... Et que Dieu vous bénisse. Vous savez, il y a les masques, donc on ne connaît pas tout le monde. Et c'est pourquoi je voulais rectifier une erreur. Qu'on salue la présence du vice-président Diégué Amondi, que je n'ai pas reconnu à travers son masque. Voilà. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, camarade vice-président. Avant de passer la parole aux représentants des ex-exilés, on nous signale un groupe musical. On va se détendre un peu, si vous le permettez bien. On va appeler le groupe musical Dan Ko Choco. Ah ouais. Ouais, le groupe Ko Choco. Oh, Rafael!
Merci, on va continuer la cérémonie. Le vice-président demande à ce que nous saluions tous la ministre Brogregoué ici présente, ainsi que le député de Grand Bérébi, Yer Pawa Cyril. Merci beaucoup. Nous allons continuer et la suite va se dérouler comme suit. Nous allons passer la parole au camarade Kwame Kwaku Koke qui va donner le premier aperçu. Ensuite, après lui, le camarade Gogon va dire un mot. Après le camarade Gogon, le DG Mongli dira aussi un mot. Et le ministre Awadon Melo va clore l'intervention des exilés. Des ex-exilés. Merci beaucoup. Camarade. Allô. Camarade Damanan Fikas, vice-président du parti, chargé de la coordination de notre tour. Camarade vice-président du parti, camarade SGA du parti, honorable député du parti, camarade SN du parti, camarades fédéraux du parti, camarades membres du comité central, chers militants. Madame la ministre Geneviève Brogregoué, chers militants, je prends la parole ici en tant que porte-parole des exilés qui sont de retour aujourd'hui.
Je voudrais d'abord, camarade Picasse, vous saluer et remercier tous les camarades du parti pour cet accueil chaleureux qui nous a été réservé. En tout cas, merci. C'est la marque et l'expression de la solidarité et de l'affection que vous nous portez. Soyez-en remerciés. C'est avec beaucoup de joie, mais surtout avec émotion, que nous sommes ici, en Côte d'Ivoire, après plus de 10 ans d'exil. On avait pratiquement les larmes aux yeux quand nous sommes arrivés à l'aéroport. Je souhaite vraiment que cela n'arrive plus à tous les Ivoiriens. Avant de poursuivre mon propos, chers camarades, je voudrais, avec votre autorisation, inviter l'assistance à observer une minute de silence à la mémoire de tous nos camarades et de tous les Ivoiriens qui sont tombés durant toute cette crise qu'a connue notre pays. Merci. Alors, camarades, nous revenons d'exil. Comme je l'ai indiqué, c'est avec joie. Pourquoi nous sommes partis en exil? Le 11 avril 2011, une coalition internationale a attaqué le régime de la Refondation. Il s'en est suivi un lot de répressions sauvages, avec des arrestations arbitraires, des emprisonnements, jusqu'à l'arrestation du président Laurent Gbagbo, notre leader, symbolise notre but. Avec cette vague de répression et d'assassinat, c'est à notre corps défendant que nous avons dû, sous les bombes, en enjambant le corps de certains de nos camarades, trouver refuge au Ghana. Nous sommes donc retrouvés au Ghana pour deux raisons. Fuir la répression, mais surtout réorganiser pour apporter un soutien à nos camarades, qui sont restés ici. C'est donc ensemble que nous avons continué ce combat jusqu'à obtenir la libération le 31 mars, l'acquittement définitif du président Laurent Gbagbo. Dès lors que le président Laurent Gbagbo a été acquitté et libéré, il n'y avait plus trop de raisons pour que nous puissions continuer l'exil. Parce que on n'était plus donc les criminels de guerre, les génocidaires, puisque notre chef, notre leader, avait été acquitté. C'est donc dans cette situation que nous nous organisions pour rentrer. Il y a une première vague qui est revenue avec celui aujourd'hui qui nous reçoit. Nous étions donc dans cette dynamique. Quand le 17 juin, le président Laurent Gbagbo est arrivé. Il est arrivé et le 9 août, il a rencontré les instances du parti et a donné la nouvelle orientation à suivre. Alors, en tant que combattant, en tant que militant, il y a des moments où, quand le combat vous appelle, vous devez être au rendez-vous. Nous avons donc
décidé de venir pour répondre à l'appel du président. L'appel qui s'inscrit dans la vision de pouvoir créer un nouveau instrument de combat pour faire face aux défis qui se pointent à nous. Alors, nous sommes arrivés et nous sommes fiers, chers camarades, du travail qui a été abattu ici par vous. Depuis nos positions respectives des îles, on a suivi tout de bout en bout. C'est le lieu de vous remercier parce que vous avez résisté, vous avez porté haut le flambeau du combat. Nous sommes revenus prendre nos places à vos côtés. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons des raisons de croire que le combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire qui nous a valu cette répression sera le combat que nous allons mener et auquel tout le monde s'attend. C'est le combat qui ne souffrira d'aucune fioriture. Nous sommes là et ce combat, nous le ferons pour qu'on rende la dignité au peuple de Côte d'Ivoire. C'est sur ces mots que je voudrais, une fois de plus, chers camarades chargés de la cohabitation de notre arrivée, chers camarades vice-présidents, chers membres de la direction du parti, camarades militants, vous dire merci. Merci pour tout et ensemble, nous allons continuer notre combat. Merci, camarade Kwame Kwaku. Nous allons directement passer au DG Mangli. Le camarade Gougon, il dit qu'il passe parce que le camarade Kwame Kwaku a dit. Donc, on passe directement au DG Mangli. Alors, j'ai eu une belle voix, mais je voudrais que je sois soutenu, ça m'a fait droit. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, par la camarades militants, je vous dis merci. Merci de cette mobilisation. Merci de cette chaleur. J'ai un seul message à donner. Vous savez, l'incident de l'aéroport n'est pas anodin. Je suis resté au Ghana parce que je ne suis pas arrivé le 17 par solidarité. Et avant de venir, j'ai dit aux camarades, aux frères, je vais à Abidjan pour nous aider à nous libérer. Il y a des choses qu'on ne dit pas en intégralité dans le public. Je crois que vous suivez mon regard. Je suis venu auprès de vous pour nous aider à revenir tous en Côte d'Ivoire. Je ne me sentirai jamais à l'aise en tant que ce que je suis, s'ils sont encore là-bas. Président du Congrès, c'est votre charge. Voyez le président, nous voulons tous venir. Si demain je retourne, c'est pour aller leur dire, apprêtez-vous pour rentrer en Côte d'Ivoire. Camarade président du Congrès, je vous confie cette mission
pour voir le président. Aujourd'hui même, demain, et m'appeler pour me dire ce que tu disais là, viens de dire de vivre voir au président pour que tu ailles chercher les camarades, les frères qui sont là-bas. Je vous remercie. Merci beaucoup, Béné. Maintenant, la parole au ministre Awadio Melo. Passer la parole sans transition. Un camarade efficace, camarade responsable du parti. La suite, je ne vais pas citer tout le monde, mais sachez que je suis très, 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 très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. De retrouver la Côte d'Ivoire, de retrouver les frères, les parents, les amis. Vous savez, ce qui est dur en exil, ce n'est pas le fait de faire 10 ans, parce qu'il y a des Ivoiriens qui, depuis 20 ans, même s'ils ne sont pas contraints à l'exil, ne souffrent pas de ne pas venir en Côte d'Ivoire. Ce qui est dur dans l'exil, c'est de savoir que, eh bien, j'aimerais qu'elle soit partagée par tous les autres camarades qui sont encore en exil. Et que le camarade Mangri vient parler. Parce que je me mets à leur place. Je sais qu'ils souffrent de ne pas retrouver leur pays natal, le pays de leurs ancêtres. Et c'est cette petite amertume-là que j'aimerais que ça soit évacué avec l'aide de tous les camarades et pour que nous puissions nous retrouver pour forger la vraie, la patrie et la vraie fraternité. Chers camarades, je tenais au nom de toute la délégation ici présente dire un grand merci à tout le peuple de Côte d'Ivoire et en particulier aux camarades militants qui, chaque jour, n'ont cessé de penser à nous, d'être solidaires de ceux qui sont en prison, de ceux qui sont en exil, et d'œuvrer pour ouvrir les espaces de liberté nécessaires pour que nous puissions être ici aujourd'hui avec la libération du camarade Laurent Gbagbo. Mais en même temps, je n'oublie pas de dire merci au peuple ghanéen. C'est le peuple qui a ouvert ses bras. Souvent, je me dis, mais imaginons-nous un seul instant que le Ghana ait refusé de nous accueillir. Qu'est-ce qu'on serait devenu? Peut-être qu'on allait rester dans la lagune, parce que la plupart d'entre nous ont emprunté la lagune pour se rendre au Ghana. C'est pour ça que je tiens au nom de tous les camarades, parce que nous sommes tous passés par là, y compris mon ami et frère et compagnon de tous les jours à côté de moi. Et donc, il est important de le souligner. Mais, à mon nom personnel, j'aimerais aussi saluer le peuple camerounais. Car ils ont été les premiers à m'offrir une opportunité pour que je puisse aller tisser des liens fraternels avec ce peuple qui a ouvert ses bras et qui m'a donné gîte et couvert et en même temps de l'activité.
je tenais à le souligner pour qu'on sache que la lutte que nous avons menée ici n'est pas seulement une lutte pour les seuls les Ivoiriens. Et je peux le témoigner parce que le peuple camerounais l'a exprimé. Et j'étais même surpris qu'ils connaissent mieux la crise ivoirienne dans les détails et avec des détails que moi-même, acteur, je l'aurais. Ils sont à ça. Et pour mon nom personnel, je n'oublierai pas le peuple de la Guinée, ni de l'Angola, ni du Cap-Vert, ni de l'Afrique du Sud. Parce que tous ces pays-là m'ont accueilli. Et souvent, quand je voyageais, quand j'étais en exil, eh bien, je craignais une chose, qu'on m'arrête à un aéroport. Parce qu'il y avait un mandat d'arrêt qui pesait sur nous. Quand vous prenez l'avion, en traversant la frontière, vous avez du corps. Et j'étais arrivé dans un pays que je ne connais pas. On me dit, mais votre passeport, là, il n'y a même pas de nationalité dessus. On ne sait pas qui vous êtes. J'avoue qu'il n'y a rien de plus frustrant et de plus grave quand quelqu'un pense, en regardant tous tes papiers, que tu es un apatride. Mais aussi, je tenais à dire merci au peuple de Guinée et avec leur tête Alpha Condé. J'étais parti là-bas, comme ça, pour faire 3 jours. Il a dit, tu es un camarade, je sais ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire, fais la même chose pour mon pays, je te retiens contre ta volonté. Et je suis resté avec lui, et il m'a donné l'opportunité vraiment d'aider ce pays frère à réaliser beaucoup de grands projets, et j'en suis fier, et soyons fiers de la Côte d'Ivoire. Un coup, d'autres appellent ça la volonté de Dieu, que le 4, il m'est chargé de la mission en Russie. Et à la descente de l'avion, on me montre la photo du président guinéen qui est arrêté. Ça m'a encore fait revivre toutes les séquences de l'arrestation et de la crise que nous avons traversée ici. Mais là, c'est une crise d'une autre nature, on aura l'occasion d'en parler. Je pensais que nos camarades de la Russie allaient me dire, bon, écoutez, ta mission n'a plus de sens. Prends le prochain vol et retourne. J'ai été surpris de me retrouver pratiquement dans un palais. On m'a dit, vous allez dormir là. Ma mission n'a plus de sens, vraiment, je ne sais pas ce que je vais faire ici. Vaut mieux que je retourne à Paris et puis de là-bas, là, je vais... Comment retourner en Côte d'Ivoire? Ils ont dit non, vous allez rester. Et donc, je tenais vraiment à dire aussi merci au peuple russe. C'est des camarades. Au présent. Ils m'ont donné gîte, couvert et activité. Pour le moment, au nom du devoir de réserve, je n'en parlerai pas du tout ici. Mais disons-leur un grand merci, parce que c'est les camarades. Et camarade Danon, lors de ta dernière conférence, quand tu as parlé du parti de gauche, j'étais heureux. Et eux aussi, ils étaient très heureux. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient aussi des camarades. Je pense que ces remerciements témoignent de notre volonté de construire notre démocratie. C'est vrai que la gauche ivoirienne, depuis les années 90, et même avant, a œuvré pour le multipartisme qu'on a obtenu en 90. Il était question d'instaurer la démocratie en Côte d'Ivoire.
nous avons rencontré plusieurs obstacles, dont deux. La fragilité de notre tissu national, de la citoyenneté, et notre dépendance économique, financière et monétaire. Les deux se sont conjugués pour nous balayer. Mais avec un autre élément, le fait que tous les pays africains n'ont pas été solidaires d'un peuple qui se battait et pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Et donc ce déficit de panafricanisme, je pense qu'il est de notre devoir d'apporter une réponse. C'est pour ça que je suis heureux de l'orientation actuelle du parti. Et c'est pour ça que nous sommes tous heureux d'adhérer dès maintenant et de continuer à parce que c'est à ce prix-là que nous allons construire la démocratie, la souveraineté et le panafricanisme. Et ce nouveau parti doit être pour nous un aimant pour capter et faire graviter toute la gauche ivoirienne pour que nous cessons d'être des opposés, mais des opposants, ouverts au dialogue et à la réconciliation nationale. C'est à ce seul prix-là que nous aurons justifié notre existence et notre combat, et par rapport à ça, justifié aussi notre volonté de rassembler tout ce continent et d'ouvrir les portes d'un nouvel ordre mondial. Je vous jure, les Ivoiriens comptent sur nous. Je vous jure, les Africains contre nous sont avec nous et nous observent, nous écoutent. Mais encore mieux, tous les progressistes du monde entier ont les yeux ouverts sur la Côte d'Ivoire et nous ne devons pas échouer, nous devons réussir. Chers citoyens, c'était ces quelques mots que j'avais à vous dire. Merci beaucoup. Fatima Kaba. Merci, merci Didier. On a obtenu les préparations du congrès, donc on va aller vite. Je voudrais, avant de passer la parole au vice-président Laurent Akoun pour donner le mot du parti, appeler le deuxième groupe musical qui est là, qui sont les filles de Mangui. Elles viennent de Maple, s'il vous plaît. Maple, c'est pas n'importe où. Applaudissez-moi, Maple. Les filles de Maple et de Maple. Après Koshoko, avant que les filles de Maple ne viennent, permettez-moi de Permettez-moi de saluer rapidement le FDA Maurice Lourignon, le FDA Rosso Rodel, bon, voilà à faire.
camarade Damara Diabigas, camarade vice-président, camarade Salon Gégé et tous les autres vice-présidents, les amis disent qu'ils ne peuvent pas se laisser faire. Et qu'on a lancé un défi et aussi ils vont venir faire pour eux. Appelez-nous les amis. Il y a une bonne nouvelle aussi, les Baoulés disent qu'ils sont solidaires des amis. Ils disent sont solidaires des amis. Donc, on va continuer à saluer, je salue tantôt le RG à Maurice Lourignon, le RG à Dosso Rodel, Maître Zoukou Seri ici présent, le camarade professeur Djadi Youssouf, le SM Zéli Serikpa, Touré Emma, tous les camarades fédéraux. Et saluer. Un peu avant de donner la parole au ministre, c'est une bénédiction, au vice-président Laurent Akoun, je voudrais aussi saluer les ministres, le professeur Dédi Seri, le ministre Liadi Doyoua, ici présent, le ministre Hermine Guinolou et le président du Congrès, celui-là qui va nous faire passer du cauchemar à la lumière, le président Danon Djedje. C'est la star du moment, on est tous fiers de lui. Il conduit le comité d'organisation du Maître des Maîtres. Soyez salués. Maintenant, nous allons passer la parole au vice-président Laurent Akoun, qui va donner le mot du parti. Et puis, vous saurez ce que le parti pense. Merci beaucoup, camarade vice-président. Camarades combattants, mon message en trois points. Le premier s'adresse à ces combattants qui regagnent la terre de leurs ancêtres. Dans la langue malinké, il y a une expression qui me plaît énormément. Bienvenue en Faso, chez nous. Ils sont venus au pays de leur père, Faso. C'est pas le Burkina, le Faso, c'est en malinké, c'est le pays de nos pères. Bienvenue. Bienvenue à Jacob. Celui qui sait qui est Jacob, tant mieux pour vous. Bienvenue à Guillaume. Bienvenue à Alphonse et à OK, parce que je préfère dire OK que de répéter quoi. Nous sommes très heureux et fiers de vous accueillir. Le président Laurent Gbagbo est à l'écoute.
il est au travail, je voulais dire. Et c'est sur cette note-là que je vais passer au deuxième point de mon propos. Vous représentez depuis l'année 2019 la troisième vague. La première, c'est celle que en janvier 2019, je passe sous le contrôle de mon ami et camarade de combat de quelques 50 ans, presque, du président Laurent Gbagbo. J'étais un peu plus nombreux. La deuxième vague, c'est celle qui a été conduite par le ministre Jean-Emmanuel Mounier. Et vous êtes, depuis 2019, la troisième vague. Bienvenue. C'est la quatrième? Qui était venu? Ah oui, c'est vrai, il y a eu... Oui. C'est la quatrième. Lorsque Picasso, effectivement, et Katina étaient là, c'est la quatrième vague. Or, il y en a encore qui sont restés, et c'est pourquoi Alphonse a plaidé pour qu'ils rentrent chez eux. On n'est jamais mieux que chez soi. Même dans un poulailler, on se sent toujours bien. Et dans un pays à pied, en tout cas, le coq, la poule, le poussin disent ils sont bien dans leur poulailler. C'est ce qu'on a à soi, c'est ce qui nous appartient. Donc, pour cette cérémonie, je voudrais simplement que nous nous battions pour le troisième moment de mon message, c'est le troisième point.